Il des petits dessalines demandés, peuple haïtien boulé matériel qui prêt à la réaliser question référendum, non? Il des petits dessalines lui-même qui dit que là, pendant, il y a protégé bâtiment, yo, mais question matériel cap là pour faire référendum, non? Bien, il mandat avec tout militant, petit dessalines militant d'opposition, hein, pour y passer à l'attaque. En côté, Jean-Charles Moïse, dans le micro, Romanès samedi. En gros, pour le référendum, non? Romanès, sans question, j'en dis, hein, de facto, yo, après, c'est mettre plus de caca. Sauf façon pour le répéter, tu vois. Bel et bien. Hein? Dans l'obéille. Si c'est dans l'obéille, il y a un coup, il y a bien couru. Hein? Dans cette période, il y a l'obéille, il y a protégé. Et si on sortit tout, il y a un temps où ça va arriver. C'est ça qui nous relève. Il y a pas évité, meilleur passement de pardon. Je préfère créer un chaos. Vous, je préfère créer un chaos. International dans lui-même. Littéralement, quoi que maintenant, vous êtes en confiance, vous m'allez. Comme vous voulez, l'Union européenne critiquait. Ça n'est le référendum. Le Congrès américain critiquait le référendum. Le département d'État critiquait. Les Nations Unies a balancé. Alors que, je te donne 46 millions de dollars américains pour faire le référendum, non? Qui est Jodian qui a essayé de gérer 20 millions de dollars américains pour le gouvernement de Saint-Ébaïla? C'est NIN avec INOX. OK? Ah, INOX avec NIN, c'est des entités des Nations Unies. L'ONU des Nations Unies ou à l'Union Européenne. L'ONU des Nations Unies ou à Congrès américain. Pour qui ça va dire non, campé, quand fait comme matériel, quand vous faites des bagailles. Eh bien, papa, ici, depuis le temps de la conférence l'autre jour, nous avons dit non, pas brûler l'école. Nous pas le mettre, bureau référendum, yo. Ni privé, pas brûler, yo. Mais entrez, prends tout matériel, ça, yo. Pas mettre des différences sur yo. Mettez en soleil, vous soleil la brûler tout. Est-ce que nous sommes payants? Pour tout matériel, ça y est. Pas brûler, yo. Mettez en soleil. Pour soleil la brûler tout. Très bien. Ensuite, Romanès, nous disons, yo, pas si un monde qui a venu dans la section, yo, dans la ville, yo, pas attaquer, yo. Mais si nous camarades pour quelques heures, ok? Et puis juger en tout cas public, demandez-en comment on fait d'accord pour yon même avec Jovenel Moïse, je vais me payer avec étranger. Hein? Moun sa yo, c'est acte trahison au peuple paysan. Voilà, déclaration Jean-Charles Moïse. Bon, voilà, bon, précision ça, Moïse, pour te dans l'intervention là. Bon, je reporte précision, hein, important pour me capable reporter. Et pour matériel, yo, il dit, au lieu pour moun yo boule, c'est prêt à mettre dans le soleil. On comprend, c'est ce que soleil a boule, yo. C'est ça, et comme précision. Et, le prêter dans samedi dia, dans texte à rapport avec ça, Jean-Charles Moïse dit, ça veut dire, c'est pas boule, yo, mais c'est boule, pour soleil a boule, yo. On comprend, ça veut dire, bon, nous allons regarder ça pour nous. Et, là, tout le monde avec Jean-Charles Moïse, ce sénateur a fait déclaration, ça, pendant le tap, et c'est défendre lui, face à cette critique qui fait croire, elle vient à un projet Bit Good, non, pour couvrir des bacs à fête contre référendum, non. Les députés de Saline, en prend défense, un projet, ça, il fait qu'on est qui prend Lyon soulagement pour classe moyennement, ce sénateur a rappelé qu'il n'y a pas besoin d'aucune autorisation de l'État ni BRH pour réaliser le projet ça qui devrait rendre public avant longtemps. N'avancez avec information. Toujours dans la question référendum, nous parlons avec un parti politique et parasol qui souhaitait président Jovenel Moïse par la composition pour joindre une entente avant l'avancée de droite à référendum. Quand on a été parasol, Yvon Bonhomme regrette conflit ça continue à pourrir crise ça qui a un gros impact sur la population. Yvon Bonhomme a souhaité acter au point conscience pour joindre une entente pour finalement payer des barres sur l'autre base en côté. Yvon Bonhomme dans le micro Jean-Philippe Massé. En ce qui a trait au référendum qu'on dit là, nous-mêmes, nous véritables toi-boyu entre les acteurs de qui dit dans l'opposition et aussi l'autre acteur qui y a même qui n'a pas le pouvoir. Ça va le passer depuis 2 ans, que ce soit dans l'accord entre guillemets, Mario, tout le côté de l'opposition, ils ont même yo toujours dit qu'ils voulaient une autre constitution, ils ont toujours dit qu'ils voulaient le président Jovenel aller pour faire un référendum avec une nouvelle constitution. Et aujourd'hui, le président Jovenel lui-même est venu avec projet référendum. Et même monsieur l'opposition, si vous comprenez bien, il n'a pas dit qu'il n'y a pas de référendum. Il a dit qu'il n'y a pas de référendum Jovenel Moïse. Donc, entre deux camps, nous-mêmes, qui avons prêché l'unité, tout le monde admet que la constitution, ça, il y a un problème. Eh bien, si c'est intérêt Haïti qui priorise le président Jovenel Moïse pour rester mandat là, si c'est intérêt pays qui priorise l'opposition, eh bien que monsieur, tous les équipes, ils mettent au chita sur les sujets qui fâchent.
li poko jam trop tard. Président Jovenel Moïse dit l'a cherché accord, et ben si petit là pour sauver si Haïti, que si gen article nan Saoudia qui pas normal, nan cause parce nous même nous poko recevoir, nous pas gen chance, nous pas gen chance l'île, mais nous gen jeune quatre parti a cap travail très prochainement cap produit réflexion, mais tout ça nous ka dit dans l'intervalle sous cause référendum nan. Que ce soit parti politique de l'opposition, que ce soit pouvoir, que nous ayons un terrain d'entente pour libérer le ça, parce que Constitution 29 mars 87 là, effectivement, il méritait bon passé, mais ou bien changer parce que l'Iran pays est ingouvernable et se souche de stabilité politique là. Maou c'est tout nous fait 40 ans pour mettre la Chine côté là. Et nous fait 40 ans à régresser pour nous côté là. L'un crase le pays, nous crase la production nationale, nous. Et pendant ce temps, nous ne pouvons pas faire des investissements en Haïti. Madame nous pas vivre dans le pays, petite nous pas vivre dans le pays. Les manifestations, nous pas mettre madame nous petite nous devant nous dans cette manifestation. Et voilà, un leader responsable après protocole qui noble de vous dire en avant manifestation pour madame nous petite ou bien marou bon côté. Donc nous-mêmes, hypocrisie ça, pas la donne, n'a pour dire encore que il pas jamais trop tard, comme président Jovenel Moïse, l'a travail pour nous encore, que nous-mêmes, nous là, nous pas dans l'extrême à personne. Et chaque fois, nous toujours dit, Parasol fait allégeance. Allégeance uniquement et uniquement avec cause. Peuple haïtien, c'est ça qui fait là, parce que politique sont sacerdoce. Et c'est pas pour rien que, ouais, Parasol, c'est parti politique, la voix des sans-voix. Voilà, de l'autre côté, responsable Parasol, là, Yvon Bonhomme critique et acteur politique qui voit les blancs pour venir jouer au rôle. Mi-temps joué dans la crise pendant OEA, c'est une non complicio. Yvon Bonhomme, t'es où était pito, solution, crise PIA, lui-même, c'est pas acteur haïtien qui l'a passé. Nous, à parler de ces référendums de jour, qui est conférence pasteur haïtien qui est même opposé avec la question référendum, non, et demandé avec la population haïtienne, non, pour dire non, pour barrer la route avec à causer référendum, si la conférence pasteur haïtien yo dit non avec un changement constitution 1987 non note yo rend public lundi qui était 31 mai a expliqué que pouvoir en place là pas gain ni titre ni qualité pour capable changer constitution si là mais changer constitution hein, il s'agit de avis conférence pasteur haïtien ils sont à quatre trahison contre patria contre patriote new york contre peuple haïtien d'après ça yo même yo dit le Texas, à côté, à part de problèmes misère, ignorance, insécurité, kidnapping, l'État, violence structurelle, violation droit fondamental haïtien, yo, et qu'a fait là, côté jeudi à là, c'est ça, pour pouvoir lui-même t'approcher sur, pour garder comment il était capable de résoudre, yo, pour voir lui-même arrêter tête droite avec à causer référendum, si là, mes conférences, pasteur haïtien, yo, demander avec un citoyen, yo, de tout à pour, à quel que soit appartenance sociale, quel que soit, qu'on est branche politique ou quel que soit croyant sous, nous devons barrer la route avec à causer référendum, ça qui est inconstitutionnel pour éviter pays à lui-même un revivre moment que tu vives longtemps, surtout moment période dit valier yo, régime ou dit si là d'après ça, même yo dit, malgré annonce qui fait violence pour voir Kembe cap là, Kembe question date 27 juin pour capable réaliser question référendum non, avec un conseil électoral provisoire qui pral gen mission ça pour organiser question référendum là ça c'est une note qu'une capable conférence pasteur haïtien eux-mêmes mettez de leur position sur causer changement constitution le point d'actualité a Mario nan la gonaf kapit travail depuis plusieurs jours monsieur a protesté contre décision autorité service maritime navigation pour porter moins moun nan ti bateau yo à cause accident qui a fait sous la mer yon décision syndicat marin nan la gonaf yo critiqué président association Mario Mathurin Lavo quoi bateau t'a de porter plus moun par rapport à poids qui nécessaire pour voyage là en côté déclaration Mathurin Lavo nan micro Blaise Peterson des fois tout gagne des décisions par exemple tant que décision et directeur général là c'est pour protéger vie monde c'est alors normalement c'est pour garder pour moun yo capable voyager en bonne sécurité ça veut dire que pour protéger la vie monde donc c'est pas mal mais en dans décision pour protéger la vie monde là gagne une petite irrégularité en dedans une négativité pour regarder tout là-dedans OK qui ça lié des fois ou bien on prend une décision ou précipiter sur lui. Par exemple, ça que vous regardez, c'est garder poids qui normal par rapport avec le régime des moteurs, trois moteurs. Vous comprenez? Par exemple, il prend des moteurs, il met des moteurs 10 mounes, et puis trois moteurs et 12 et 16 mounes. Trois moteurs 16 mounes. Non.
li pa ka répondre avec. Ça veut dire poids vinn trop léger par rapport avec toi moteur. Là ou fait speed sur toi moteur ou accéléré, ou après tête flybot là quand il et là même vague là, pa ka répondre parce qu'il pas gain poids qui standard avec pour capable prendre vague là. Il a chaviré complètement. Non, on a posé problème naufrage ou bien tout n'a pas cherché avantage par nous-mêmes comme marin tout. Quel problème là? Est-ce que c'est qui par rapport avec effet ça bien si problème naufrage à tout? Parce que moi encore si vraiment comme comme petit persister sur ça, c'est vraiment pas expert en question bagarre de l'eau, bah ça yo. Mais moi pas voulu tout comprendre. Moi, m'ta voulu comprendre tout, ben essayer comprendre que c'est mana qui des experts même monde qui dans domaine question de l'eau marine même j'ai avec nous que il des décisions les prend. Monsieur certain que il c'est des décisions calculées. Est-ce que nous-mêmes, nous, j'en dis à vraiment, si, d'abord, tu viens faire des expertises, garder, mais combien de monde, est-ce que par la suite, tu vas venir estimer que, et quand tu t'es mouillé, tu prévois encore présenter un problème, tu regardes, côté capi bon, hein? Ouais, Magdo, et Mette Blaise. Non, la marine, pas de politique, là-dedans. Pas de supporter, on m'a oublié, supporter, d'être. La question. La marine. La décision, ça, tu prends? Yeah, dans la marine, c'est au bagage 7. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire tout navire go tonnage. Ça veut dire nous allons faire ni supporter tel, ni supporter tel. Nous mettons un qui normal. Parce que la marine c'est allié. Okay. Ou bien deux vagues naviguer sous lui. Est-ce que vous comprenez ça, Mdoula? Ok. Là, nous-mêmes comme marins, l'autre bois, nous, ouais, exactement, Mésissa. Mais et depuis après Mésissa, nous pas voyager, Fabot pas voyager? Fabot pas voyager même. Depuis qu'il est, depuis après le naufrage qui s'est fait avant, mais depuis après Mésissa. Après mes géants, ils ont tout campé, ils vont voyager même. Ça a créé un pile de difficultés sur le terrain là, vous comprenez? Égal, ça vient déboucher sur l'autre problème, pile problème encore. Parce qu'on est depuis le voyage dans l'île, égal, presque tout le monde a des difficultés, des problèmes, des grands goûts, des toutes situations. Capsule Santé. Une chronique du docteur Jean-Claude Desgranges. Moment arrivé pour nous faire place avec Dr. Jean-Claude Desgranges Capoté pour nos capsules santé. Jean, il était commencé depuis semaine dernière, depuis jeudi, sur le GVT. C'est son sujet, ça. Les à poursuivre, matin. Pour moi, alimentation relative au sel, j'ai dit qu'on évitait, pour prendre les fruits, pour prendre les légumes. Mais, c'est difficile. Parce que, j'ai moins fruits au chien, là. C'est difficile pour moi, des majorités haïtiennes, mais j'ai fruits. Parce que justement, c'est des produits de riches, des produits sérieux, qui ont un rôle important pour aider et pour bien développer. Parce que il y a des vitamines, non seulement il y a des vitamines, mais des vitamines C, des vitamines D, là pour bah, le système immunitaire, qui fait que le virus va caractériser facilement. Donc ça, c'est d'autres éléments. Troisième, nous parlons de Mac Fabrica, qui est basé en là, nous parlons de Jean de Ville. Troisième facteur, c'est l'environnement, Parce que nous-mêmes, dans la vie de nos sociétés, dans la vie de nos pays, côté l'État haïtien, dirigeant haïtien, pas la population est en charge. Il ne peut pas faire rien pour protéger la population. Il ne faut pas faire rien pour combattre la salubrité, il ne faut pas faire rien pour améliorer l'environnement. C'est ça que je vous dis en face, pour vivre en poussière, pour être toutes sortes d'éléments d'ailleurs, des éléments de positif, qui n'est pas bon pour le système santé, et qui n'est pas justement pour les histoires de vie. Pour accompagner les prisonniers, surtout qui ont même pris soin que cas ont mérité. Oui, c'est ça qu'on dit, et nous devons tenir ça là. Faut ministère de la santé publique lui-même lui collaborer avec pénitentiaire. Faut directeur ministère de la santé publique lui-même lui collaborer en façon pour garantir le droit à la santé des détenus. Parce que ça pour nous nous connaît. En Haïti depuis nous sommes prisonniers, c'est comme si nous n'assistons pas de monde. Mm-hmm. En réalité, c'est pas ça lié. Même si nous sommes prisonniers, mais il y a des droits tout. Est-ce que c'est parce que nous sommes prisonniers et puis pour le besoin de l'eau, le bagage de vous le est-ce que c'est parce que mon prisonnier pour priver mon nom de droit à la nourriture? Est-ce que c'est mon prisonnier pour mon nom, situation côté le gain, bouton, le gain, gal, le gain, fièvre, pour pas gagner des interventions qui peuvent bénéficier et des consultations et au niveau médical? Nous pensons qu'il faut que l'autorité ait une synergie de dégager ensemble
d'une façon ou d'une autre, hein, pour que droit détenu soit protégé et sans discrimination aucune. Mm-hmm. Et tout n'a tourné sous programme dans projet ça nous-mêmes dans au CNH lancé a une question pour demander que encore avec me demander même pas si vous répondre tout à l'heure bien elle au télé pas de songer pour répondre depuis que le projet a commencé combien de temps l'a duré. OK, première partie question ça. Et puis est-ce que nous entendre que projet ça tout soit déjà pénalisé nationale bien dans notre centre carcéral dans le pays? Et c'est un projet qui a duré 4 mois et il lancé vendredi hein? Comme dire, c'est 4 mois là, je dirais. Donc, j'en me disais, il y a 3 points là-dedans. Il y a un point de sensibilisation, il y a un point de formation, il y a un point d'accompagnement au niveau matériel. Oui, et donc, c'est un travail qui est bon, il va capable seulement pour un département, là, pour aller dans plusieurs départements, de la mesure où nous avons des accompagnements, tant que. Et au commissariat fait avec nous et en partenariat avec le support financier du PNUD. Donc nous pensons que nous sommes dans le sud, nous parlons de l'autre côté toujours, mais c'est étape par étape. Mm-hmm. Parce que ce n'est pas seulement détenu dans le sud qui a un problème ça. Donc c'est gagné cap haïtien même problème dans Port-au-Prince Bastion, ou gagné et cabaret. AKS, c'est le même problème là, ou gagner Bonaï, c'est le même problème là. Mais ça qui est important, mais ça, je vais lancer aujourd'hui, c'est by l'autre organisation qui est dans la société civile là, l'autre organisation de développement. Je vous dis à faire une synergie qui est dégagée pour que chaque monde nous pose des actions et pour permettre nous porter des solutions, nous porter côte par nous et ça permet nous arriver à Nouvelle-Haïti vraiment. Parce que la Nouvelle-Haïti, il n'y a pas de potentiellement de hausser la suivante de nous. Mais il dépend de toute l'organisation, tout l'acteur et qui veut les mettre ensemble pour accepter la nouvelle Haïti. Et là, ça a envoyé un signal et étranger pour montrer nous c'est une action qui mettait pour que nous posions des bonnes actions. Donc c'est pour ça qu'on a fait. Mais pas qu'on a fait, là, on a foutu sous l'autre. Mais pas qu'on a fait, là, on a posé une action qui en dehors de nos murs. Donc c'est une synergie qui vous dégage ensemble. Pour que nous posions des actions pour déboucher à Nouvelle-Haïti. Mais laissez-vous vous dire que Gamp le côté nous visait pour aller, mais on dit après au sud, qui côté exactement nous visait aller? Qui côté, est-ce que c'est Port-au-Prince ou bien qui le côté? Et si vous regardez les gens situation, parce qu'après étude, nous faisons étude dans le sud, nous envisageons une étude au niveau du Cap-Haïtien. Nous allons le Cap-Haïtien. Nous allons le Cap-Haïtien, nous allons le Rivière du Nord, que nous envisageons une étude. Et après étude là, non, n'importe qui n'a pas gardé qui vient de capoter un support. Parce que si papa nous est capable de matériel, de capable de formation, de capable de sensibilisation, mais que l'on veut ou non, au CNH engagé pour le travail dans tout le pays. Donc, et ce n'est pas seulement question sous loi civile, acte politique, j'ai reconnu en fait le monde. Donc, nous-mêmes, tout ça nous joue comme possibilité pour nous faire capable de payer NAPSEL, parce que nous, c'est au CNH, organisation des citoyens. Pour une nouvelle Haïti, à cette phase, il nous faut poser des actions concrètes, effectivement, pour accoucher à une nouvelle Haïti. Et c'est une Haïti vivable. Côté monde, avec le monde, nouvelle Haïti, hein? Donc c'est pas l'être qui a changé, mais c'est créer conditions. Yo. C'est lorsque droit à la santé lui garantit, droit à la sécurité, droit au logement, droit à la nourriture. Donc nous-mêmes, nous avons posé des actions pour nous stimuler l'État. C'est vrai, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Mais l'important pour que nous disons organisation, il faut que nous fassions plaidoyer, il faut que nous fassions rapport, parce que rôle organisation de l'Azimé, c'est faire monitoring, faire rapport, faire recommandation et exiger autorité à poser des actions concrètes pour garantir droit tout le monde qui vit dans le pays. Et là, ça, nous avons dit Haïti, c'est un pays vivable, et pour ne pas dire Haïti qui accède sur l'État des droits, et lundi l'État des droits, nous disons que c'est l'État, côté où monde qui l'a pour appliquer la loi, le monde qui l'a pour faire respecter la loi, il non seulement à faire respecter, mais il même à appliquer. C'est pour nous dire, pas à la santé, c'est un droit important, c'est un droit extrêmement important, donc nous encourager à plus autorité, même s'il y a des moyens pour aller et dans l'autre pays, je veux dire, si nous avons Covid dans là, et c'est courir pour la rivière, tomber dans la mer, ou je veux dire, ou non, situation côté
et en pile ou bien moyen, c'est vrai, mais ou travaille dans tel pays. Bon, dans tel pays, gagne COVID-19. Nous travaillons là, gagne COVID-19. Donc, je dis, c'est pour nous, si c'était insécurité, tout le monde a mis un visa, tout le monde a pris un avion, et a passé séjour dans l'autre pays, parce que là, il n'y a pas d'insécurité. Mais c'est COVID-19, il parle tout dans ce pays. Oui, n'est pas qu'à vous là, l'autre côté. Donc, c'est tout le là. Tout le monde là, et c'est là pour nous comprendre, je dis, les chefs dans le pays d'Haïti, c'est pas si tu as allé dans le pays voisin, aller dans l'autre pays. Aller investir, à quoi plaisir de l'autre côté. Et puis, si on pas jamais songer pour faire un centre de santé, je dis à toutes les gens qui ont une nécessité, pour faire un centre de santé, pour contribuer pour faire l'hôpital de référence, parce que là, autant de COVID là, passé sous un petit problème de respiratoire, et pour t'en dire au guetta parti pour l'éternité. Ça, c'est conséquence, négligence, mauvaise gouvernance, il me pensait, COVID-19. Déjà plus passé 10 ans, l'hôpital général, pourquoi j'aime qu'à finir construit. Côté l'agence, ça passe ou pas qu'on est. Dernière question pour nous finir, M. Kamioxis. Nous n'avons pas le temps. Nous connaissons au CNH engagé dans la bataille, pardon, dans la question et contexte sanitaire pour détenir en prison, département sud de pays. Comment bataille là, dans le niveau au CNH pour question de détention préventive prolongée? Qui c'est soit le bataille pour voir à chaque fois qu'il y a un gouvernement qui monte? Nous n'avons pas le temps. Abrié. C'est toujours un discours pour faire mon dodo. Et c'est toujours très démagogique. Chaque fois, on met une justice à entrer en fonction. Et même le premier ministre, il dit qu'il n'y a pas de travail contre la détention préventive pour manger. Démagogie. Et nous tendons à gagner une commission qui mette campée sous question d'assistance légale. Tout ça, c'est démagogie. Parce que le problème pour nous résoudre, il faut en amont et en aval. Comment comprendre où dit on travaille contre détention préventive prolongée et lui greffier juge toujours en grève? Or, la police a arrêté tous les jours. Pendant ce temps, la justice est quasiment dysfonctionnelle. Ça veut dire aujourd'hui, hein, monsieur, il n'y a pas mal de problèmes en amont et en aval. Question et commission. Et assistance légale, vous mettez grand prière, tout ça aussi démagogie. Si vous voulez résoudre le problème dans tout le monde, il faut que vous dotez les tribunaux de matériel logistique, de faut que vous accompagnez les juges sur le plan technique pour le travail, et trois, il faut greffier, et puis juge, n'importe quel tribunal, il faut que vous gagnez un salaire qui est acceptable pour permettre le travail dans toute quiétude d'esprit. Mais si c'est question, si seulement faire discours de monter commission ou va travailler sur les relations politiques prolongées parce que on connaît la communauté internationale toujours à mettre pression sur nous pour ça. Donc nous dit c'est démagogie pour le n'importe moyen en amont et en aval. Merci un peu, mec Camioxi. C'est ton plaisir de nous dégager au matin espace invité journal. Merci un peu, à la prochaine. Un peu de prudence. Merci, au même temps. Voilà, c'était avec nous, maître.